Et salut tout le monde, c'est Phil Demi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 26 de mon Let's Play sur Pokémon Ruby Omega. Je suis super content de vous retrouver et d'ailleurs, je suis encore plus content de voir que vous êtes de plus en plus à me suivre. Enfin, ça m'impressionne, enfin ça me rend très content. Enfin, je sais que vous n'êtes pas 5-6 millions, mais vous êtes déjà pas mal. Pour une petite chaîne, 17 abonnés, je trouve que c'est pas mal. Eh bien, je vais vous récompenser de votre fidélité en ajoutant toujours des vidéos quotidiennement, une fois par jour. Enfin, je vais essayer de rester là. Bon, sinon on finit les blabla qui n'ont rien à voir avec l'aventure. Là on va tenter d'aller au Mont Memoria. J'ai soigné mes Pokémon, enfin je crois. Hein. J'ai changé la place aussi. Oui, vous voyez, Galégon et Draco sont ici. Brazegali là, Métang là. Bon, Finobi ici et Touraptor ici. Bon, ils sont tous au top. Enfin, je vais essayer d'entraîner un peu plus Galégon et Dracos. Là, je vais revenir sur la route. La route, je sais même plus combien. Pour aller au Mont Memoria. Un bec qui pend. Un linéon. Allez, pour une fois on va essayer de remporter un petit peu de points d'expérience parce que Béquipant était de type eau et c'est très efficace contre le type acier, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Voilà, et vu que sa défense baisse, on a plus de chances de l'avoir. Non, pas de l'avoir, mais de le mettre KO. Et oui, j'avais bien dit. Bon, c'est mieux que rien, mais c'était juste comme ça. Où est-ce que c'est la route? Route pour se rendre au Mont Memoria. Ça doit être là, et c'est là. C'est pas... Elle a l'air d'être assez spéciale, cette dame-là. C'est pas l'infirmière. Mais voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Ça ne sert à rien. Mais c'est juste si vous avez besoin de soigner votre équipe dans ces endroits-là, vous savez où vous rendre sans aller à Ninu Creek ou autre part. Et le Mont Memoria doit être ici. Comme c'est joli. J'aime bien la musique au Mont Memoria. Polycombre. Polycombre, je sais même plus comment on dit. Non, il n'y a pas de dresseur à battre pour le premier étage. Non. Ah si, quand je suis ici, mais puis blablabla. Un Ténéfix.
Ah, niveau 36 quand même. Je ne peux pas utiliser Éclatroc. Enfin, oui, Éclatroc, et puis je sais même plus ses autres attaques. Il a que des attaques de... Ah oui, je ne peux pas utiliser Force. Tête de fer, je vais essayer. C'est pour voir quel effet ça a. Un effet plutôt positif. Mais ça, c'est con qu'il soit confus. C'est pour ça qu'ils mettent jamais que c'est pas considéré comme un statut. Parce qu'ils mettent les trois premières syllabes de... comme paralysé par, et bah là, confus quoi. C'est un gros mot après. Après, je sais même plus si c'était dans les anciennes versions ou dans les... J'y fais même plus attention tellement que c'est inutile. Brazegali monte au niveau 42. Amphinobi monte au niveau 48. Ils sont presque tous au niveau 50. On va essayer d'explorer de fond en comble le mont Memoria. Voilà, c'est bien ce qu'il me doutait. Super repousse. On va essayer de les entraîner parce que... parce que c'est important. Machopée. Ah, ça paraît... ça va paraître compliqué là. Oui, c'est sacrifié. Il y a les gonds. D'accord. C'est donc ça. Eh bien, on va envoyer une Rakos. Allez, on va essayer de le rendre paralysé. Et ça a marché. Oui, c'était dans les anciennes versions, paralysé. Mieux ce que je viens de dire. Ouais. Là, on a moins de chance qu'il attaque. Parce que s'il a la trouille ou... Il résiste. Je sais pas s'il va résister longtemps. Ah. Oh non. Bon, je vais soigner après. Je vais essayer de les soigner. Après. Allez, on va envoyer Brazegali. On va lui foutre la pâtée. J'aurais dû l'envoyer avant. Voilà. C'est bon, là on va pouvoir... Qu'est-ce que je fais moi? Je vais voir s'il y a... Excusez-moi. Ou au pire, je vous retrouve tout de suite, je vais couper la vidéo et puis mes Pokémon seront tous soignés. Enfin, j'espère que... Si je tombe sur un dresseur, je serai obligé de refilmer. Et vous serez alerté. Bon, je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà repartis pour l'aventure avec les Pokémon soignés sans être interrompu par des dresseurs. Un Skeledox. Ah oui, j'aurais vu.
J'aurais bien voulu le capturer quand même, Skylax, mais c'est un petit peu trop tard maintenant. Parce que, bon, il a pas de méga évolution, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Bah, où aller maintenant? Bordel. Bon. Bon, non. On dirait que non. On dirait que oui. Oh, un couple. C'est mignon. Et comme par hasard, un mâle et une femelle. Oh, bah c'est marrant ça. Ouais, c'est ça l'avantage. Allez, je vais attaquer avec Abri. Oh non, il est amoureux. Oui. C'est bien, Galigan. Non. Bah bon? Mais ça a pas d'effet sur Amoy? Ce n'est pas grave. Eh ben, tant mieux, je vais pouvoir les buter beaucoup plus vite. Mais je vais pas utiliser Surf parce que sinon ça va rendre KO. Ça va mettre KO. Attends. Non, en fait, je vais changer de stratégie. Je vais utiliser Tête de Fer sur Delcati. Et Shuriken sur El Sprint. Enfin, au niveau 33. Voilà. Rakos monte au niveau 35 et il tente d'apprendre le psycho de boule. C'est très bien. Et vu que j'aime pas trop Abri. Voilà, psycho de boule. Oh, il est endormi. Et puis il est amoureux. Bah, je suis obligé de changer de Pokémon. Allez, je vais essayer d'envoyer mes tangs pour changer un petit peu. On a envoyé Brazegali tout à l'heure pour un ancien combat qui a mis Galégon et Dracos KO. L'amour. Allez, attaque. Est-ce que Psycho de boule ça marche sur lui? Ou Psycho, peu importe. Oui, ça marche. Et c'est même très efficace. Enfin, c'est pas super efficace, mais c'est... ça a bien marché. Voilà. Bon. Allez, on va pouvoir avancer parce que là, on est... Sans déconner, on n'arrivera peut-être même pas au sommet, hein. Alors... Ah, c'est cool. Métang monte au niveau 44. Et il veut apprendre Point Météore. Qui est une excellente attaque.
À votre avis, je vais remplacer par greffe facile. Et c'est parti. Voilà. Allez, attaque! Oui! Ça marche pas trop. Même pas si on a déjà utilisé Draco Riff. Super. Draco se monte au niveau 36. Décidément. Non. Ah, c'est bien. On va continuer comme ça. Et on va utiliser Machouille. Mais sinon, on va pas s'en sortir. Non, faut jamais dire ça. Rester avec la tête haute. Voilà. Oh non. Ah. Oui. Ça y est. Bon. Allez. C'est marrant. Super, ça y est. Bon, on a passé beaucoup de temps à mettre hors jeu ce Pokémon. Tout simplement, on a galéré pour le mettre KO. Infinobi monte au niveau 49. Extra senseur. C'est une superbe attaque. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Si je viens ici, on est en rez-de-chaussée, vous êtes d'accord? Mais oui, c'est là. Ah oui, parce que... Oh non. Je me souviens même plus d'avoir monté un étage. Oh là là, j'ai la mémoire courte.
Ça tombe bien. Je crois que Xatu est de type vol. Ah, cool. On va le savoir maintenant. Et oui, ça marche. Oh, j'ai même pas vu la Pokéball à côté. Tiens, tiens, avec la troc, ça pourrait marcher. Ah, voilà. C'est bon, redouté. Oh là là. J'ai envie de... Voilà. De visiter un petit peu. Bon, on a Balombre. Et nous voilà à l'extérieur. Là, ça va être un petit peu compliqué parce que... Ça sent la team magma. Bah oui, le mont Mémoria. Ils disent depuis une éternité qu'ils doivent aller au mont Mémoria. Bah je pense que si j'y suis, ils y sont. C'est des dolmens. Bon. Premier sbire. Je pense qu'on n'aura pas le temps de monter jusqu'au sommet. Ouais, allez. Donc, je pense que ce sera... Après ce combat, ce sera bientôt l'heure de nous quitter. Et... Voilà, il s'est mis KO tout seul. Donc, une nouveauté, vu que vous êtes de plus en plus à me suivre. Si vous avez la moindre question à me poser par rapport au jeu ou quoi que ce soit, tant que ce soit raisonnable, allez. On se fait un dernier dresseur pour la route. C'est vrai que je suis assez gentil. Vous avez juste à les laisser dans les commentaires. Je les lirai. Et puis j'y répondrai s'il y en a une. À la, quand je serai sur le point de faire une nouvelle vidéo. De toute façon, vous êtes sûr qu'il y en a, que votre question sera. Aura votre. Enfin, votre. Question aura une réponse. Voilà, c'est vrai, juste trop éboulement. Ah! Allez. On va terminer. J'espère que ça va marcher là. Qu'est-ce que je peux utiliser? Tête de fer?
Non. Ce que j'aurais dû utiliser depuis le début. Voilà, niveau 35. Comme ça, ce sera fait. Que de feur ! Attaque la plus fort. Bon, pardon. Que de faire ? J'hésite encore. 80... 75... Non. Ça va être... que de faire ? De toute façon, je suis obligé. Voilà. À force de parler... Voilà. Que de faire ? Bon, eh bien, merci de vous abonner à ma chaîne, et mettez un pouce vert, je vous dis ciao tout le monde pour un nouvel épisode.